Il a déclaré que les Verts ont toutes les chances de passer au second tour du mondial. Yazid Ait Mahiddine l'a suivi. 1, 2, 3, viva l'Algérie! Viva! Un hymne scandé par LPB d'Oro ou le gamin en or, Diego Armando Maradona. Il est resté impressionné par l'amour que portent les Algériens à leur pays. Je suis un révolutionnaire. J'admire le peuple algérien pour ce qu'ils ont fait pour leur évolution, pour leur liberté. Et je les admire aussi, j'admire le peuple algérien pour leur amour au drapeau et à la nation. Et moi, j'aime ce sentiment. Cette première visite de Maradona en Algérie est venue pour booster le lancement de la 3G à l'invitation de l'opérateur de téléphonie mobile Mobilis. El Diez, ou le 10, classe le 11 national parmi les équipes qui ont mérité leur place dans le mondial brésilien. Le fait que l'Algérie soit parmi les 32 meilleures équipes du monde est un grand exploit. Et tout ce que peut faire l'Algérie de positif dans le mondial, pendant le mondial, ce sera que du bénéfice et que du surplus et que du positif. L'icône du football mondial compte revenir en Algérie, une terre de soleil et de football. Un mot de culture.